Coucou tout le monde, alors j'espère que tout le monde va bien. Nous, ça va doucement, mais sûrement, hein, comme on dit, voilà. On va pas trop vite le matin, doucement le soir, comme ça, on est sûr que tout va bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de courrier de mes copinettes, des petits courriers qui n'étaient pas prévus, voilà. Donc, ben, comme d'habitude, ça me touche beaucoup et ça me fait très très plaisir. Voilà, donc on va commencer par le premier courrier. Alors, je vais tourner l'enveloppe là. Alors celui-ci, il me vient de ma Béa. De ma Béa de carrosse, comme elle le dit. Voilà. Donc, une belle bien grosse enveloppe. Ma cocotte. Alors, j'ai juste entrouvert l'enveloppe, il y avait, mais j'ai pas regardé encore à l'intérieur. Hein. J'ai levé un magnifique ruban de dentelle qui entourait tout le paquet. Voilà, j'ai simplement défait les nœuds et les scotch pour aller un petit peu plus vite. Ça se présente comme ceci. Alors à l'intérieur, il y a une magnifique carte. Regardez-moi ça, sur un fond noir. Elle a embossé derrière. C'est même pas embossé, c'est fait avec de la pâte de structure, les étoiles. Et dans chaque étoile, elle est venue y déposer une petite pointe de paillettes. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Ici, il y a la découpe d'un petit, des petites maisons. Il y a même la petite voiture. C'est extraordinaire, j'adore. Franchement, j'adore. Alors, elle me dit que c'est sa première loadie d'enveloppe. Et elle me dit d'être indulgente, je démarre. Mais j'ai pas à te juger, moi, ma chérie. Je veux dire, voilà, on fait tout ce qu'on peut avec notre cœur. Et pour moi, tout est magnifique. Tout est magnifique. Alors, regardez comme elle a fait ça. Hein. Plusieurs papiers superposés, j'adore. C'est magnifique. Alors, elle lui dit que pour la faire, elle s'est servie du tuto de Rose Bonbon Coco. Et qu'elle la trouve sympa. Voilà. Si tu passes par là, Corinne, voilà, t'es sympa. C'est bien. Et elle me marque qu'elle a mis quelques petites babioles de Noël, qu'elle n'a pas grand-chose, mais qu'elle aime partager, faire plaisir. Je te remercie infiniment, ma Béa. Elle me demande des nouvelles de mon mari. Et qu'il faut quand même que je prenne soin de moi. Et que voilà, donc son mot est adorable et très gentil. Je te remercie, ma Béa. Alors, voilà. Alors là, il y a eu une petite épingle. Je pense que les petites épingles, tu vois, elles ont pas trop tenu le choc. C'est pas grave. On en remettra d'autres, voilà, parce que je vois en haut, tu vois, il devait y avoir quelques petits trucs accrochés avec les épingles, mais c'est pas grave, madame. Alors attendez que je la prenne à l'endroit quand même. Oups, ouais, c'est ça. Il y a plein de petits sachets, oh, qui tombent. Donc écoute ma belle, je vais l'ouvrir comme voilà. On va l'ouvrir d'abord comme ceci. Si vous ne voyez rien, c'est une catastrophe. Voilà. Donc il y a plein plein de petits trucs à l'intérieur. C'est juste magnifique. Voilà. Et Talodide, ben, c'est une tuerie. Hein. Voilà, moi je la trouve magnifique aux couleurs de Noël, rouge et verte. C'est sublime. Oh là là, regardez-moi ça. J'adore. Alors ça, je suppose que c'est elle qui l'a monté. Avec des feuilles et des petites fleurs, elle a fait comme un hortensia. Je trouve ça magnifique. Magnifique. Je ne sais pas si c'est elle qui a teinté le papier. Ou si c'est quelque chose qu'elle avait. Je ne sais pas. Tu me diras dans les commentaires, ma Béa. Mais je pense que c'est plutôt toi qui l'as faite, cette petite fleur. C'est toutes des petites fleurs collées les unes sur les autres pour former un pompon. Un pompon. Voilà. C'est magnifique.
Alors là, bon, je suppose qu'il y a plein de trucs qui devaient être attachés avec les petites épingles, mais alors il y a une pochette comme ceci. Alors là, on a des petits sapins en bois, des petites boules, des maisons avec un biscuit pain d'épices. Ici, il y a des flocons. Je vais me mettre dans le champ quand même. Ici, d'autres petits flocons. J'ai un rouleau de perles comme ceci. Ça, c'est, j'adore. J'en utilise beaucoup. Je suis trop, trop contente. Alors ici, elle m'a mis fait avec de la colle chaude et des paillettes. Bisous. Voilà, oui. Mais... J'en avais fait aussi pour mettre sur des créas. Vous faites ça avec le pistolet à colle chaude et c'est nickel, quoi. À condition que la colle avec les paillettes, elle vous bousille pas le pistolet à colle. Voilà. Et c'est magnifique. Il y a des couleurs magnifiques. Et ça, pour mettre sur des créas, quel boulot. Quel boulot, ma belle. C'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de boulot, ça. Alors ensuite, dans l'autre petite pochette de l'enveloppe, je vais la mettre comme ceci. On a encore des petits embellissements en bois avec un sapin, un bonhomme de neige, un petit traîneau. C'est juste magnifique. Alors là, on a deux images avec le champagne. J'aime bien boire un peu de champagne, moi. Hein, pour les fêtes. On fait péter les bulles. Voilà, alors attendez, hein, parce que je vais la tourner dans l'autre sens, parce que comme il y a tout qui a glissé, alors là, elle s'est décollée, ma ninette, je la recollerai, ne t'inquiète pas, voilà. Malheureusement, on connaît tous la poste, comme ils maltraitent nos courriers, c'est affolant. Donc là, ne t'inquiète pas, je remettrai... Elle s'est défaite par en bas, c'est pas grave, je remettrai un petit peu de colle et tout ira bien. Alors, ici, dans cette partie-là, on a des embellissements métal qui sont juste magnifiques. Il y a des oiseaux, il y a un arbre, il y a un manège, il y a des cœurs. C'est une tuerie, il y a une cage avec un oiseau. C'est magnifique, magnifique. Je défais pas tous les copinettes parce que j'ai pas mal de courriers à ouvrir et après la vidéo est trop trop longue et pour charger, c'est la misère. Là, j'ai des petites perles toutes petites noires. J'adore. Des comme celles-là, j'en avais pas. Après, des parmes, j'en avais pas non plus, des petites comme ça en strass et des roses. Alors là, elle m'a mis aussi les tissus comme ça là, que je connais, que voilà, c'est des petits strass mais en rouleau de tissu. C'est formidable. Là, je les ai en noir aussi. C'est magnifique et doré. C'est trop, trop, trop bien. Donc là, alors attends. En plus, regardez-moi ça, des petites feuilles. Avec les trois petits strass rouges pour faire le ou au milieu, c'est juste magnifique. Alors attends, ça s'ouvrit comme ça, on l'a fait. Donc on la tourne, il y a une autre pochette. Et là, il y a une pochette devant. Alors avec le strass ici, elle est venue y coller toutes des perles, une à une. Vous voyez, là, on a... Le papier à pois, et là sur le devant, elle est venue y coller des petites perles. Moi j'appelle ça les perles fines. Hein, voilà. En bas, on a des strass. Son papier est magnifique, vraiment magnifique. Alors, on va sortir ce qu'il y a dans cette pochette. Alors, là, on a encore des petits embellissements en bois, étoile des neiges. Flocon de neige, étoile des neiges, étoile des neiges, mon cœur amoureux. Ça y est, elle est partie, la Béa. On l'a perdue. Voilà, des petits flocons encore. Je sais pas pourquoi j'ai dit étoile des neiges, je sais pas. Je me prends pour les bronzés fonds du ski, n'importe quoi.
Et là, on a des capsules altérées qui sont juste magnifiques. Alors, on va les sortir parce que c'est elle qui les a faites. Ça, c'est un truc de fou. Voilà, magie de Noël. Celle-là, les roses avec des paillettes. Là, il y a Noël. Trop bien, je n'avais pas sur Noël. Oh, celle-là avec le petit nounours, elle est trop belle. Trop belle. Et puis alors, celle-là, elle est venue y mettre une rose, enfin une fleur et une feuille. Mais la rose, enfin la fleur, j'ai l'impression que tu l'as fait en pâte à structure aussi. Enfin, en pâte, pas structure, mais polymère. Ou voilà, j'ai dit n'importe quoi, pâte à structure. N'importe quoi. Je veux faire celle qui s'y connaît, elle racontait n'importe quoi. Oh bon Dieu, on n'est pas dans la caca, bébé, hein, je vous le dis, hein. C'est mal parti. Hein. Voilà, on va finir l'année en beauté. Alors là, on a d'autres petits trucs, mais bon, écoute, je vais sortir cela parce qu'il y en a un qui restait collé. Et elle me marque trop bien, ma bébé. Elle me marque, j'espère que tu as de bons ciseaux. Alors attends, ça s'est décollé. Oh là, j'ai plein de petits grelots. Regardez-moi ça, s'ils sont beaux. De différentes couleurs, ils sont trop mimi. C'est trop trop joli. Donc là, celui-là, il s'est collé à l'enveloppe. Alors attendez, je vais doucement. Voilà, je veux rien déchirer. Attendez, on a un autre petit paquet collé au bout. T'inquiète pas, ma bien, je la recolorerai. C'est parce qu'elle a vraiment, vraiment été vraiment maltraitée pendant son petit voyage, je pense, notre petite enveloppe. Attends. Voilà, écoute, je la recolorerai, ma belle, ne t'inquiète de rien. Alors, il y avait encore un petit sachet avec plein d'embellissements en bois, avec les cadeaux, les bottes, le pain d'épices, le sucre d'orge. Et après, alors, elle m'a mis plein de petits. Je ne sais pas si c'est ouais, c'est des petites photos. Voilà, alors, elle me marque. J'espère que tu as de très bons ciseaux. Voilà, alors là, sur les animaux. Pour l'automne, pour c'est trop trop bien, je suis trop contente. Là, on a des images de Père Noël. J'adore. Là aussi, sur le thème de Noël, c'est magnifique, Béa. Je suis trop trop contente. Là, on a des sapins pour faire des ATC. Là encore, des sapins en plus grand pour mettre sur des cartes. Ici, on a les Simpsons. Les Simpsons. On dirait des Simpsons un peu, un Papa Noël. C'est trop dégaine, c'est trop rigolo. Ah, ici, celle-ci, j'adore. Elle est trop, trop belle. Ici, dans les tons de bleu. Mais franchement, Béa, tu m'as énormément gâtée. Regardez-moi ces images, si elles sont belles. J'aime trop. Ah, oh, c'est trop joli, ça. J'adore, j'adore. Oh là là, celui-là aussi est magnifique. Là aussi, c'est trop, trop joli. Je suis trop, trop contente. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Elle a plié pour faire une carte. Il est magnifique. J'adore ce Papa Noël. Là aussi, on a plein de petits. Des maisons, des bottes, c'est magnifique. Ah là, j'aime trop aussi. Les vêtements, les chaussettes. Ben là, on a plein des petits animaux. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben écoute, ma Béa, je te remercie du fond du cœur. Franchement, voilà, un petit courrier surprise. Franchement, ça me touche énormément. Et. Voilà, je peux te dire que ta Ludide, eh bien, elle est superbe, même si elle a eu un petit peu des coups de chaud pendant le transport. Mais bon, ça, c'est pas ta faute, hein. C'est voilà, c'est la poste. Merci la poste, vous êtes très gentil.
c'est affolant. Voilà, ils traitent le courrier comme je sais pas quoi. Et c'est une honte. Mais bon, en attendant, écoute, moi, je la trouve magnifique aux couleurs que j'aime. Il y a des strass, des paillettes. Elle est trop, trop belle. Et puis alors, tu me l'as... Ouf, tu me l'as gavée. Tu me l'as rempli, tu me l'as gavé. Ensuite, on va passer au deuxième courrier. Alors, oh, je vous ai fait bouger. Le deuxième courrier. Alors, le deuxième courrier, il me vient de Nathalie. Nathalie F. Qui a la chaîne Fimonat. La chaîne ou son pseudo YouTube Fimonat, voilà, que je ne dise pas de bêtises. Nathalie qui avait gagné mon concours. Voilà, qui avait participé et gagné à mon concours des 500 abonnés, il me semble. Voilà. Donc, elle m'a fait une très, très jolie carte aussi, avec un ange marqué « Joyeux Noël ». Là, c'est un... bon, on va dire un sticker, hein, je ne me rappelle plus là, comment on appelle ça, 3D, voilà, des blocs de chez Action, je pense. Je me rappelle plus du tout le nom. Bon, c'est pas grave, vous avez compris, c'est magnifique. J'en ai utilisé, moi, une image comme celle-ci que Pam m'avait envoyée aussi pour mettre sur mes petits ATC. Là, elle a mis un papier derrière qui est juste magnifique. Et puis, alors, son petit mot, voilà. Elle me dit qu'elle était contente d'avoir gagné mon concours, qu'elle a beaucoup aimé ce qu'il y avait à l'intérieur, et voilà. Et pour me souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, moi aussi, ma belle, je te remercie infiniment et je vous souhaite plein, plein de bonnes choses. Voilà. Surtout, être dans la joie et dans la bonne humeur et le partage, surtout au moment de ces fêtes-là. Toute l'année, mais en particulier au moment de ces fêtes-là. Alors, elle m'a mis une petite pochette comme ceci avec un Père Noël qui est juste magnifique. Et à l'intérieur, il y a plein de petits sequins. Alors, il y a des cadeaux, il y a des chapeaux. On a même une flûte de champagne, un sapin. Et là, un gros truc noir. Voilà. Un réverbère, il est juste magnifique. Voilà. Et puis, on a des biches... magie de Noël, voilà, c'est sublime, c'est sublime, un sapin magnifique. Voilà, on a des découpes qui sont juste merveilleuses. Voilà, celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Voilà, et après, c'est des petits sequins, il y a une ou deux boules. Voilà. Et après, c'est des petits sequins. Ouh, je viens de faire tout tomber. Voilà. Écoute, Manat, je te remercie infiniment. Je ne m'y attendais pas du tout. Et de voir ces petits courriers comme ça, ces cartes qui arrivent en me souhaitant passer de bonnes fêtes, ça touche vraiment. Ça, voilà, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur parce que voilà, ces petites gentilles attentions, ben, ça fait toujours plaisir. Voilà, pour moi, c'est énorme. Voilà, et ensuite, alors, comme ceci, on l'a fermé avec un ruban qui est juste sublime. Voilà. Alors là, on est... Ah, j'adore. J'adore, c'est une petite carte qui s'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, on a marqué « Merry Christmas ». Voilà, c'est... Elle est juste sublime, ta carte. Sublime. Voilà. Là, elle est décorée de chaque côté. Je trouve ça magnifique, très raffiné, très joli. Puis alors là, ce petit fan là avec en 3D aussi, avec derrière cette découpe avec les cœurs en relief. Je ne sais pas si vous voyez ces petites perles. J'adore, j'adore.
Ben franchement, merci beaucoup, Manat. C'est extraordinaire ce que tu fais. J'aime beaucoup. Merci, ma Béa. Merci, Manat. Alors ensuite, on passe au petit courrier de Annick. Annick B. Voilà. En attendant Noël, elle m'a fait une carte qui est juste sublime aussi. Parce que Annick avait participé à mon concours. Et je n'ai jamais reçu sa participation, donc elle avait été comptée dans mon concours, hein, mais j'avais été vraiment déçue parce que j'avais pas, et elle en plus, plus cher, voilà. Donc son pseudo, vous avez compris, son pseudo YouTube, c'est AB Scrap, voilà. Et donc sa création n'était jamais arrivée, donc voilà, un petit peu déçue toutes les deux, hein, parce que franchement, moi aussi, ça m'est arrivé avec Sarah. De la chaîne Évasion Scrap, si je dis pas de bêtises, ma petite Sarah. J'avais envoyé une première participation sur l'automne, elle l'avait jamais reçue, donc elle l'a jamais reçue et je l'avais envoyée en même temps que celle de Estelle Channeling, donc voilà, de ma Mimi. Mais Sarah ne l'a jamais reçue, donc j'en avais fait une seconde qui a mis pas mal de temps à arriver. J'avais un peu peur, je me disais, bon, puis finalement elle est arrivée, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est dommage quand on envoie nos créations et qu'elles n'arrivent pas, quoi. C'est juste, ben, ça vous plombe, quoi. Alors, une petite surprise, voilà, elle me dit qu'elle est restée, oh là là, je vais y arriver, restée frustrée que j'ai jamais reçu sa participation. C'est vrai, moi aussi, ça m'a beaucoup attristée, voilà, parce que quand je reçois pas les créas des filles, ça m'énerve. Voilà, donc elle me refait un petit courrier pour me faire partager son univers et. Voilà, elle espère que cela me plaira. Elle me dit que mes tutos sont sympas. Voilà, et elle rigole parce qu'elle marque une mention spéciale pour ton sapin avec la colle qui ne me collait pas. Ah oui, elle me rend du gag à cette colle. Mais j'y suis arrivée. Hein. Il n'a pas gagné. Hein. Enfin, elle n'a pas gagné. C'est moi qui ai gagné. Voilà. Donc, sa petite carte, juste fantastique. Donc, elle a fait une découpe. Hein. Elle a ancré son papier. Là, elle a embossé avec de l'encre dorée. On a un bouton. Là, on a un petit sentiment qu'elle a écrit là. On a du satin, on a de la dentelle, on a un petit embellissement en bois qu'elle a colorisé. Je vais y arriver. Oh mon Dieu, Béa. Donc là, il y a son petit mot. À l'intérieur, il y avait une petite découpe comme ceci, voilà, une comme ceci, voilà, et fermée par un joli petit ruban d'organza vert. Voilà, elle a mis un papier embossé qui est juste magnifique avec des arbres et des papillons. C'est une tuerie sur un fond un peu gris, un peu, c'est adorable. Et elle m'a mis des tampons de Gorgeous. Voilà. Et en plus, sur un papier sur lequel, voilà, c'est un peu autocollant. Voilà, je défais et puis c'est nickel. Voilà. J'ai différentes Gorgeous qui sont magnifiques. Voilà. Et il y a marqué Versafine. Voilà. Écoute, Manat, je te remercie infiniment parce que ça m'a fait énormément, énormément de plaisir, ce petit courrier surprise. Voilà. Donc, ça fait toujours plaisir. Hein, voilà. Puis derrière, sa petite enveloppe, un petit truc, une petite découpe comme ça avec la patte de minou, de chien. Voilà. C'est trop le top. Trop le top. Donc, courrier d'Annick. Ensuite. J'ai eu un petit courrier de Nicole, Nicole K aussi.
Voilà, une enveloppe fermée avec un washi, avec des petits rênes. C'est juste magnifique. Voilà, et sa carte qui se présente comme ceci. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, un papier avec des anges derrière. Elle a fait un contour avec du washi, me semble. Voilà. Ici, on a des découpes de bulles. Mais là, avec les anges, je viens de me rendre compte que c'est un tissu. Voilà. C'est une espèce de voile avec des anges en relief dessus, couleur dorée, qu'elle a placé sur son papier. Voilà. Et après, elle a fait une petite bordure au washi. Là, on a des découpes de boules de Noël qu'elle a terminées par des nœuds. Et Merry Christmas, une découpe là qu'elle est venue mettre là. Elle est juste magnifique. Magnifique, cette carte aussi. J'aime beaucoup, beaucoup. Et je suis vraiment contente d'avoir reçu ces petites cartes pour me fêter, pour me souhaiter, pardon, de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, j'apprécie beaucoup, beaucoup. Voilà, merci, merci, ma Nicole. Elle me dit qu'elle aime beaucoup mes vidéos et que ça la fait rire. Voilà, donc c'est le principal. Voilà, je suis trop, trop contente. Alors ensuite, j'ai reçu une carte aussi de quelqu'un que j'aime beaucoup, mais qui malheureusement n'a plus de chaîne, qui a fermé sa chaîne. Voilà. Une jolie carte comme ceci. Voilà, c'est Douceline. Voilà, j'aime beaucoup. Et voilà, Douceline a fermé sa chaîne. Et voilà, donc il y en a beaucoup en ce moment qui ferment leur chaîne. C'est un peu dommage. Voilà, c'est un peu là. D'après ce qu'elle disait, elle subit un peu trop de réflexion. Voilà. Donc, c'est dommage parce que voilà, c'est des filles qui ont du talent et qui nous apprennent et qui nous montrent plein de choses. Voilà, ça fait de la peine. Et puis, alors, j'ai reçu de ma Sylviane qui est partie un week-end en Alsace et qui m'a envoyé cette carte postale qui est juste magnifique. Et qui a l'air d'être enchantée d'avoir passé un week-end là-bas parce qu'elle me dit que c'est la magie de Noël qui est au rendez-vous, tout brille de mille feux. Et franchement, je te remercie infiniment, ma belle, parce que pendant ton petit week-end, ben, de penser à moi et de m'envoyer une petite carte, ça me fait énormément plaisir et ça me touche beaucoup, beaucoup. Donc je te remercie beaucoup, ma Sylviane. Et je te fais des millions de bisous et j'en fais à Béa et j'en fais à Annick et j'en fais à Nat et j'en fais à Majos et j'en fais à Sylviane et j'en fais à tout le monde quoi. Et j'en distribue moi des bisous. Voilà, moi j'en fais à tout le monde. Et puis là, alors j'ai reçu un petit courrier de ma Marie, Marie Calac, que j'aime beaucoup, ma Marie qui est... J'aime sa façon de travailler, de parler, de nous faire ses tutos. J'aime beaucoup ma petite Marie. Voilà, donc elle m'a fait une très très belle carte avec des découpes, un papier de chez Action, je pense. Là, elle a fait une découpe dans son papier imprimé. Donc dessous, elle a collé un premier papier argenté. Elle est revenue en coller là-dessus. Elle a fait un nœud magnifique. Hein. Voilà, avec une demi-perle en haut, elle y a mis des strass. Elle a marqué, elle a pris un petit sentiment et elle l'a collé sur du papier à paillettes. Et puis voilà, elle aussi, ma Marie, me souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et ça me touche énormément que toutes mes copinettes m'envoient des gentils courriers comme ça. C'est que du bonheur. Et le dernier, alors j'ai reçu une jolie enveloppe comme ceci qui pète. Hein, voilà, qui est pleine de fleurs, ça fait du bien au moral, c'est joli. Voilà, avec de très jolis timbres aussi. Voilà, avec un nounours, un sapin. J'ai oublié de montrer les timbres peut-être des autres. Excusez-moi les copinettes. Voilà, là aussi j'ai un petit timbre avec un petit nounours. Non, un petit chat. Voilà. Qui viennent de Nicole. Là aussi, qui viennent d'Annick.
Voilà, les filles, c'est magnifique. Donc, on en revient à mon enveloppe. Voilà, j'avais levé le scotch. Alors là, voilà, j'ai reçu une très, très belle carte aussi. Voilà, tout dans le bleu, avec des sentiments, là. Sur des stickers 3D. Hein. Je me rappelle plus le nom des qu'on emploie pour ces blocs. Je me rappelle plus. Là aussi, avec une demi-perle bleue. Voilà, un sapin qui est juste magnifique avec des boules et un nœud. Et c'est Rose Bonbon Coco, voilà, qui m'a envoyé cette jolie carte. Voilà, elle me remercie pour le sapin et les fleurs que je lui ai envoyées. Voilà, j'ai vu que le sapin, il y avait apparemment beaucoup, beaucoup plu. Elle me marque, mort de rire, qu'elle n'est pas très douée pour les longues lettres. Bon, elle m'embrasse et elle me marque de continuer à nous émerveiller par tes créations. C'est unique et tellement beau. Voilà, à bientôt. Puis alors, à l'intérieur, elle m'a mis une petite pochette comme ceci avec des images à l'intérieur. J'adore. Je vais lever ça parce que sinon, on va lire mon mot. Mais quand même. Voilà, et là, regardez, le sapin, c'est fait qu'à l'aide de bandes de papier qu'elle a coupées, qu'elle a montées en sapin avec un nœud magnifique. Là, elle y a mis des demi-perles, des petites boules, des petits pampans blancs. Voilà, ici, on a une découpe argentée dessous aussi. Je trouve ça, elle est vraiment très, très belle, cette carte. Voilà, et elle l'a faite en tuto, d'ailleurs. Si je me rappelle, parce que j'en regarde tellement que je sais plus après, je finis par plus savoir. Voilà, donc ça se présente comme ceci avec une jolie étiquette Joyeux Noël. Voilà, j'aimerais le défaire d'en bas, pas abîmer. Mais non, enfin, je vais défacer d'en bas. Voilà, je récupérerai l'étiquette. Puis alors, on a des images. Sont juste sublimes avec des petits anges. J'aime beaucoup. Voilà. Ma Miss Angélie aussi m'avait envoyé des petites cartes comme ça avec les anges. J'adore. C'est vraiment sublime. Puis là, alors, on a des petites filles qui sont... Ces images, elles sont juste à tomber. J'adore. J'adore pour mettre sur une création, c'est... C'est tendre, c'est doux, c'est magnifique. Ces images-là, ma Corinne, je ne sais pas où c'est que tu les as eues, elles sont extraordinaires. Et puis là, bien sûr, pour aller avec les anges, elle m'a envoyé des petites ailes. Voilà. Des petites ailes dans le rose, dans le blanc. C'est juste une tuerie. En feutrine, c'est magnifique. Et là, elles sont un peu nacrées. Voilà. Donc, ben écoutez les copinettes, franchement, je vous remercie du fond du cœur parce que vous ne pouvez pas savoir à quel point vos envois me touchent énormément. Voilà, ça fait toujours, toujours plaisir. C'est un truc de malade. Et de voir les copinettes là qui pensent à moi pour les fêtes de fin d'année, ben c'est que du bonheur. Voilà, c'est que du bonheur. Donc, je vous fais plein d'énormes poutous. Je vous souhaite à toutes et à tous, bien sûr, de passer... Oh, j'avais oublié ma coco, elle m'avait mis ça dans l'enveloppe. Voilà, c'était dessous, j'ai complètement oublié. Voilà, alors on a une jolie enveloppe avec des pois. Et puis, voilà, un petit socle en bois, là, pour accrocher les papiers. Et elle y avait glissé la carte. Merry Christmas, voilà. Et Happy New Year, voilà. Donc, je suis trop, trop contente. Ça, j'aime trop, voilà, pour y mettre des papiers. Trop, tout, c'est le cœur, voilà. Un petit cadeau qui me touche beaucoup, ma coco. Je te remercie infiniment.
Et donc, je disais, voilà, je vous remercie toutes, franchement, sincèrement, du fond du cœur, parce que ça me touche énormément. En plus, vous avez tous tout un petit mot pour mon mari, ça fait très, très plaisir. Et je vous souhaite à toutes et à tous de très, très bonnes fêtes de fin d'année, que ça se passe dans la joie, dans le partage et dans la bonne humeur surtout. Voilà. Et donc, on va se retrouver bientôt pour une autre vidéo tuto de fleurs, mais aussi une vidéo parce que j'ai été taguée par Manine. Manine, c'est Clary de la chaîne Clary dans tous ses états. Et j'ai été taguée sur le thème, c'est si tu étais le Père Noël. Et il faut que je réponde à 20 questions. Donc, je vais préparer tout ça. Et puis, on va se faire une petite vidéo en tête à tête. Hein. Je vous montrerai ma figure. Parce que pour vous répondre aux questions, voilà, il faut quand même voir ma figure, voir un peu la tête que je vais faire quand je vais vous donner les réponses. Et puis, voilà. Donc, sur ce, je vous fais plein, plein de gros poutous. Je vous dis à très, très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.